Hey, bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur notre Let's Play sur Zelda Echoes of Wisdom. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue du coup notre aventure. Souvenez-vous, eh bien, on s'est arrêté dans cette faille de Gerudo. Et souvenez-vous, à la fin de l'épisode, je me suis dit, mais putain, mais attendez, mais comment je peux passer dans cet endroit? Et en fait, il y a un truc que j'ai pas compris et que j'ai pas capté, c'est que ici, t'as une plateforme. Donc quand je vous dis que la nuit porte conseil, c'est que c'est vraiment véridique. Mais j'ai ça. Les corbeaux. Genre j'ai les corbeaux. Et si je fais... alors attendez, est-ce que je peux... Est-ce que je peux... Alors attendez. Il y a peut-être un truc. Attendez. Attendez voir. Si je fais ça, genre. Je peux pas les coucher. Je peux pas les prendre autrement. Attendez. Parce qu'on est d'accord, ils volent, hein. Suivre le mouvement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Attendez, on se repose. Attendez, ça va être une dinguerie. Je vais pas réussir encore. C'est un truc de fou, je vais pas réussir. Est-ce qu'on est d'accord? Suivre le mouvement. À la base, j'y étais, hein. J'y étais, hein, de base. Hein. J'y étais, hein. Mais... Ah, je peux même pas récupérer... Attendez. Il y a moyen que... Ah, attendez. Ah, si je fais ça. Si je fais ça, par contre. Si je monte sur... sur une table... Et le problème, c'est que les corbeaux, ça me... Ah. Ouais, ça marche pas. Ça va être compliqué là. Y'a moyen que tu me... Ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Vous allez me faire croire que mes plans ont échoué? Non, non, c'est une dinguerie. Comment je peux... Parce qu'on est d'accord, y'a ça ici. Et après, j'ai pas d'autres... Attendez, si je mets un trampoline. Voilà. Je peux pas te choper au passage, toi. Voilà. Putain, je peux même pas. Attendez. Ah, ça marche pas. Hein. Ah, ça marche pas non plus. Ah, ça marche pas. Hein. Ça marche vraiment pas. Parce qu'après, on est d'accord, j'ai rien d'autre. Hein. Chauve-souris, je pense pas que je puisse prendre une chauve-souris. Je vais essayer. Attendez, alors. Souvenez-vous. Est-ce que c'est pas justement avec les... vous savez, les blocs en dessous. Attendez, je vais tester un truc. Parce que, ouais, mais même ça, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Non, ça marche pas. Ouais, je peux pas...
Non, je peux pas. Ah. What? Attendez. Oh, attendez, et si je fais ça? Oh. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé. Méga blâme. C'était donc ça. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Le corbeau, ça marche pas. Donc, en fait, c'est ça. Ah ouais, mais c'est ça, en fait. Pas chercher plus longtemps que ça. Regardez. C'est obligé, c'est ça. Ouais, c'est ça. Regardez. C'est tout à fait ça. Ouais, ouais, c'est ça. Regardez. Hop. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, en fait. Qu'on pouvait vraiment faire quelque chose avec cette plateforme. Tous mes compagnons qui étaient retenus prisonniers ici sont bien là. On va pouvoir refermer la faille. Et ouais, les corbeaux, ça marche pas. C'est... Je peux pas... suivre le mouvement avec les corbeaux. Enfin, vous avez bien vu, de toute façon. Après, peut-être qu'on peut peut-être faire autrement, mais j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, avec les méga... les plateformes, là, ça marche. Parfait. Ça, ça va nous être très, très utile, ça, les plateformes, en tout cas. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Et niveau 2. Trib vous a remis 2 fragments de puissance. Allez Zelda, retournons dans ton monde. Parfait, ça c'est bon, c'est fait, on est débarrassé. Ouais mais c'était clair en fait. Le truc, tu le fais tomber, tu synchronises. Ouais. Zelda ? Où suis-je ? Je me suis fait engloutir par cette faille et puis... toi aussi, tu es réveillé ? Ah, ça fait tellement plaisir que vous soyez toute saine et sauve. C'est incroyable, la faille que tu l'as vraiment... tu l'as refermée. Nous l'avons vue de nos propres yeux. Oui, tu possèdes vraiment des pouvoirs étonnants. Dame Facé, quelque chose ne va pas? Nous devrions pas laisser le palais sans surveillance. Rentrons vite. Tiens, que m'est-il arrivé? Non. Facé? Il y a 2 Facé? Dame Selem et Dame Tona. Que s'est-il donc passé? Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais venu voir de plus près les failles qui étaient apparues dans le désert. Ah mais, ça me revient. J'ai été englouti par une faille. Je vois. Donc toi, t'es un traître. Dame Selem. Faites attention, elle est sortie de la faille. C'est peut-être une sorte de monstre. Oui. Ça ne fait aucun doute. Laquelle de vous deux penses-tu que je vais croire? Tu ne t'enfuiras pas. Dégage, vermine. Vermine que t'es, va. Quoi? Elle a disparu. C'était un imposteur. Après l'apparition des failles, Facette s'est mise à faire toutes sortes d'interventions qui ne lui ressemblaient pas. Comme lorsqu'elle a dit qu'elle avait trouvé une légende disant qu'elle pouvait faire disparaître les failles en éliminant des monstres. C'est aussi elle qui a suggéré d'ensevelir l'entrée du sanctuaire pour empêcher les monstres d'en sortir. D'ailleurs, ce n'est qu'après avoir appris que la faille de la forêt du sud avait disparu qu'elle a eu cette idée. Maintenant que j'y repense, je suis sûr que c'était pour t'empêcher de t'approcher de la faille, Zelda. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que les failles soient refermées. C'est sûrement pour ça qu'elle a inventé tous ces mensonges.
Zelda, je te dois des excuses. Pardonne-moi, je t'avais traité, de t'avoir traité comme je l'ai fait. C'est peut-être culotté de ma part de te demander cela maintenant, mais je t'en prie, sauve les Gerudo. Je t'autorise à désensabler l'entrée du sanctuaire. Enfin. Merci, chef. L'entrée du sanctuaire a été construite, en contrebas d'une cascade de sable, au sud du désert. Nous avons bouché la grotte qui permettait au sable de s'écouler, pour que l'accumulation vienne obstruer l'entrée. Allez voir la garde qui surveille la grotte et expliquez-lui la situation. À vos ordres. Eh ouais, c'était un imposteur. On a réussi, Zelda. Quand tu seras prête, rends-toi au sanctuaire, nous comptons sur toi. Je suis prêt. Impeccable. Alors, voyons voir du coup un tout petit peu du coup maintenant la carte. On devrait se rendre ici, on va se téléporter. Ah, c'est incroyable. Mais ouais, mais c'était sûr en fait que je me suis dit, mais ces plateformes là, il y a un œil, c'est pas pour rien quoi. Ah, des fois faut se creuser la tête. Hein. Réellement se creuser la tête. On m'a tout expliqué, le bouchon qui bloque la cascade de sable se trouve par ici, mais je viens de me faire attaquer par un paquet de monstres et je n'ai pas pu m'aventurer à l'intérieur. Si tu arrives à retirer le bouchon, le sable s'écoulera et ça libérera l'entrée du sanctuaire. Bon, donc il y a un bouchon à l'intérieur et si on le retire, on pourra se rendre à l'entrée de la faille. Allons-y, Zelda. Let's go. Alors, toi, par contre, mon gamin... Si je fais ça... Voilà. Ferme donc les yeux. Ok. Alors là, on a... Ah, c'est un tout petit peu, en fait. Ah non, mais j'ai cru qu'ils étaient en hauteur, vous me croyez ou pas? J'ai cru qu'ils étaient en hauteur, mais non! Mais non! Mais non, pas du tout! Bah non, mais quel intérêt de mettre ça en hauteur, du coup, ça serait pas... Boum! Fous-moi le camp, gamin! Ah, vous avez osé l'écho de la Girolame. Nickel. Donc là, on a une Girolame. Ça va nous servir peut-être à quelque chose. Tac. Ah ouais, c'est radical par contre. Ah ouais, c'est radical. Ah ok, d'accord. Pourquoi pas. Ça marche aussi comme ça, visiblement. Why not? Baf! Vas-y. Nul. Voilà. Donne-moi des rubis, garçon. Impeccable. J'adore ce jeu, c'est... C'est affolant. Paf! Ok. Paf! Attends, Girolame. Ouais, vous êtes immortel ou ça se passe comment? Une petite clé, parfait. Non, sérieux, vous êtes... Ah, quand même. Je mémorise, du coup, le gibdo. Ok. Voilà, ça dégage. Ensuite, le souffleur, qu'est-ce qu'on a? 5 rubis, c'est parfait.
Allez, ça dégage. Je le prends en traître, ça dégage. Et un petit piment, nickel. Y'a quoi là-dedans? Un rubis rouge, on prend. Là-dedans y'a quoi? Ok. Ok, ok. Tac. Quoi? Ah bah en fait on s'en fout. Non c'est bien en fait. Ouais ouais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors. La clé, on descend. Alors qu'avons-nous? Ah, là on a un interrupteur donc. Ok, donc là, on va... Ça, je peux même pas, en fait. On va... Aïe. Ça va être compliqué, là. Ah non. Il a réussi à le dégommer en un coup. Tac. Oh putain. Oh ça. Non. Oh ça, il y a une magouille à faire. D'accord. Ouais, ok. Ah, par contre... Par contre... Voilà. Haha. T'as cru que t'allais me duper, toi. Non, Rubi, y'a que comme ça qu'on peut on peut y arriver. Hop, bon j'ai vu qu'il y avait un autre truc. Merde le con. C'est pas grave. Merde. Ok. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh une fée. Ça tombe bien. J'avais plus beaucoup de santé. Ok, donc là ça c'est bon. Un pec. Ok. Mais quoi? Ah bon? Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez! Qu'est-ce que tu me fais, gamin? Voilà. Tu vois, quand tu veux. Du coup, là, y'a rien. Impeccable. On va remonter. Par contre, une chose est sûre. Ah bah non, j'aurais dû faire ça en fait. Ouais, j'aurais dû faire ça. Fais voir. Ah ok, d'accord, ça marche. Donc là, on va faire ça comme ça. Ah merde. Merdasse. Ah ah. Alors attends. En soi. En soi. En vrai, en soi. En soi.
Ouais, mais en soi, non. Parce que je peux pas mettre le souffleur, en fait. Je peux pas mettre le souffleur. Je peux pas mettre le souffleur, là. Je peux pas mettre le souffleur, là. Merde. Voilà. Comme ça, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais, toi, mon ref? Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. Est-ce que ça va y aller? J'y crois pas, ça va pas y aller. J'y crois pas, ça va pas y aller. Merde, quel con. Alors attendez. Et du coup, comme ça. Pas le choix. Merci la plateforme. En vrai, merci la plateforme. Ok. Ah, attends, si je fais ça, est-ce que ça va... Attendez, il est où le truc? D'accord. Et si je prends le Lumisol? Ça va foutre le feu, non? Ah! Ah ouais, c'est devenu un effroi, en fait. Oh. Ah, bien joué, garçon. Niveau 2. Gibdo niveau 2. Allez. Boum. Impeccable. Nickel. Allez, on va pouvoir activer du coup là. Le bouton. Activer le raccourci. Et on va pouvoir faire du coup ce sanctuaire. En espérant que ça se passe bien. Il ne devrait pas y avoir de raison. Hop là. Oh. Je devrais pouvoir créer une ouverture ici. Zelda, recule un peu s'il te plaît. Et allez, entrons dans cette faille. Ce jeune homme en tunique verte, Zelda, ce n'était pas Link? Tout à fait. Alors, voyons voir un petit peu maintenant ce qui nous réserve. On a... Ouais... Ok... Quoi? Zelda, tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Ok. Là, y'a rien. Jusque-là. Là, tout va bien. Hop là. Ensuite. Qu'avons-nous? Ah ah! Sanctuaire Gerudo. Très vite. Attends, on aura 3 épisodes. Complet dans le désert Gerudo, quoi. Donc là, on a... Ok, nous venons ici. On a une pièce. On va d'abord passer à gauche. Ah, c'est ça, les dalles volantes.
Ah ! La dalle volante, parfait. Ça va nous servir du coup pour la quête... Hop, parfait. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait les dalles volantes, je crois. Souvenez-vous. Allez, un rubis rouge. Impeccable. Donc là, pour l'instant, rien de bien dans cette pièce. Je serais pas contre des cœurs, par contre. Qu'avons-nous ? Non. Voilà. D'accord. Ok. Ok, ok. Paf, dégage. Là, ça va être compliqué là. Ah. Alors attendez. Ouais, parce qu'en soi, attendez, si je fais ça. Dégage, s'il te plaît. Ok, ça marche. Tout est une question de rapidité. Ah mais non, mais attendez. Voilà. Ah, c'est quoi ça? Ok, nice. Très bien. Pour l'instant, ça roule. Une petite clé. Aha. Très bien. Et il y a que dalle là-dedans, quoi. Ok. Pas très intéressant. Ok, bon, pour l'instant, ça va, on gère. Hop. La petite clé. C'est quoi ça? L'écho de la statue de serpent. Ok. À quoi peuvent bien servir ces statues? Peut-être... Je sais pas. Ça sert pas à grand chose en tout cas. Aïe. Voilà. Alors attendez, ça marche pas. On va... Oh. Toi, tu dégages. Voilà. C'est quoi ça? L'écho de la mythe. Allez. Allez. Voilà. Merci, les corbeaux. Merci bien. Donc là, visiblement, il y a encore un truc à faire. C'est enseveli. Oh. Du piment, du raisin. What the fuck? What? Ouais, ok. Ok. Ok.
Très bien. Hop, ça dégage. À première vue, j'ai cru que c'était dur, mais pas du tout. Il suffit de réfléchir encore un peu, quoi. Ah pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah attendez, attends. Je fous ma gueule. Merci. Ah, un œuf d'or. Merci la fée. Merci la fée parce que là, bah, c'était clair, net et précis quoi. Allez. Oh, oh rubis bleu. Voilà, nice. Allez, ça par contre, rebond d'atout, niveau 2. Impec. Attends, heureusement que j'avais une fée. Parce que là, la vache, combien... combien d'HP il m'a enlevé. Enfin, de cœur du moins. Allez, on a un TP ici. Au cas où, c'est quoi ça? Place ici deux offrandes différentes, des indices sont inscrits quelque part à cet étage. Ok, donc deux offrandes compliquées. Bim! Viens là, gamin. Qu'est-ce que tu fais? Attaque! Mais... Est-ce que c'est un fantôme? Il voit peut-être pas aussi. D'accord. Et si je mets un effroi? Le lit. Le lit tout de suite. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ok. Bon. L'avantage c'est qu'il s'est pas visé, donc ça m'arrange. Dégage. Ouais, alors là, par contre, le temps qu'ils arrivent, frérot. Pourquoi pas. C'est vrai que les dalles, ça peut servir aussi, hein. C'est vrai, faut pas oublier que les dalles, c'est... Bah, c'est une arme. Hein. La carte du donjon, parfait. Ça, par contre, on va mémoriser l'écho de l'esprit. Nickel. Incroyable. Alors, les offrandes sont indiquées dans cet étage. Ah!
Oui, on dirait bien Link. Où est-ce qu'il va? On peut pas prendre ça. Nul. Faut combien de coups? Dégage. Fous-moi la paix. Alors là par contre on va vite régler le problème. Et hop. Ah, attendez, si je prends ça peut-être. Rien. Oh la arnaque. Eh, c'est quoi? Dégage. D'accord. Parfait. Parfait, parfait. On va prendre la table. On va prendre le coffre. Hop, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un rubis rouge. Parfait. Et... Hop. On va continuer. Voilà. On peut pas prendre ça là. Merci. Oh. Nice. Impec. On grimpe. Oh, un rubis violet. Nice ça. Oh, il aurait pu m'emmener à l'autre bout quand même, hein. Par contre, ça, pour me faire jarter, il y a du monde. Putain, l'esprit, c'est 4 étoiles. Ah, bordel! L'esprit sert à rien en fait. Oh mais wesh! Wouah! Attends, bon, on va vite régler le problème. Voilà, là au moins, je risque rien. Allez! Voilà, dégage. Fous-moi la paix. Alors. Si je fais ça... Ah mais le temps que... Donc en fait au final j'ai bien fait de prendre ça. Hein. Parce que je sais pas comment j'aurais fait pour passer en fait au final là ici. Avec le sable mouvant là. Balise a bien été enregistrée. Parfait. Et...
Est-ce qu'on peut redescendre ici? Mais... Ah ouais, ça. Viens-dé. Dégage. Oh, pas m'emmerder, non. Impec. Alors, le souffleur. Voilà, le souffleur. Ici, un petit rubis bleu. Parfait. Dégage, s'il te plaît. Ok. Oh, une pierre de monstre. Nickel. Donc ici, visiblement, carte de l'intérieur. Ok, donc on va essayer. Ouah. Fais quoi, toi? Je m'en fous. Il y a ça ici. Mettre un effroi là-dedans. Ah bah non, c'est un sable mouvant. Ça marche aussi, hein, vous me direz. Ça marche aussi. Bon, le problème, c'est que c'est un sable mouvant ici. Le problème. Statue. Ouais, le temps que ça se... Ouais, le temps que... Ouais, c'est chaud. Par contre, ça demande... Faut être rapide. Ah ouais, faut être rapide. Parce que... Ah. Et au pire, là, si je fais... Attendez, si je fais ça... En vrai, c'est faisable. Non, en vrai, c'est faisable. Alors, attendez, on va tester quelque chose. Mais quoi? C'est trop bien. C'est quoi ça? Vous avez mémorisé l'écho de la statue de chat. C'est peut-être ça du coup les offrandes. Ok, ça c'est bon, ça dégage. Dégage. Fous-moi la paix. Nickel. Hop. Très bien. Alors, un petit point de TP. Nickel. Il a balèze ce donjon. Ce sanctuaire Gerudo.
raisin. Donc ils ont dit, ça serait indiqué dans cet étage. Il est encore là, lui. Ok. Ah, c'est con. Ok. Alors, toi... Protégé, mon gars. Alors, par contre, combien t'as de flèches? Ça, c'est la question que je me pose. Ah, c'est que ce niveau 2 là, il saute maintenant les obstacles, hein, ça c'est bien. Ok. Ouch! Oh, ce qu'il a pris. Oh! Oh, le ricochet! Bah si, c'est pas terminé. Ah ouais. Quoi? Oh merde, là il a pas esquivé par contre. Ah ouais, maintenant il saute. Alors attendez. Oh, c'est quoi, c'est... Ok, il en reste plus que deux. Le problème, c'est que... C'est quoi ces flèches? Merde. Bah, je croyais que tu sautais les obstacles, frérot. Aïe. Merde. J'ai raté. T'as aucune chance, frérot, avec l'arc. Ouais, t'as aucune chance. T'as aucune chance. Ah ouais, même ça, ça fait pas... Ok. Ça fait pas effet, donc... Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Parce que là, je vous avoue... Attends, si je mets un nid de grouilleur ici, ça fait 3 quand même.
C'est tout? Oh, ce que t'as pris! Pourquoi je vais essayer de perdre mon temps? Oh, l'arc. Oh. C'est comme un facette et les gens du château. On dirait que Link a été aspiré dans le monde du néant et qu'un imposteur l'a remplacé lui aussi. Mais je pense que si on renferme la faille, on pourra le sauver. Incroyable. Vous avez obtenu l'arc de puissance en mode épéiste, appuyez sur X pour utiliser l'arc. Oh, c'est incroyable ça. Ah ouais, c'est incroyable. Ok. Très bien. Bon, en fait, il n'y avait que des cœurs, en fait, ici, pour... Ouais, pour nous aider, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ok, ok, ça marche. Allez, on monte. Qu'avons-nous ici? Ok. Ouais, ça ne sert pas à servir à grand-chose, hein, du coup. Dégage. Dégage. S'il te plaît. Non. Alors par contre pour grimper... Ah! Ok. C'est bon. Donc en fait, visiblement, en fait, j'ai pas le choix de... prendre cette chose, parce que là, visiblement, ça nous aide vraiment beaucoup. Parce qu'après, il y a ici, mais du coup, ça sert à rien. Ok. On grimpe. Ok, on a encore raté pas mal de coffres, hein, visiblement. Donc là c'est simple, on veut peut-être utiliser un petit rocher ici, et puis voilà quoi, hein, tout simplement. Y'a quoi? Mais bon, c'est le déco de la statue de l'éléphant. Hop. Une petite clé. Parfait. Impeccable. Y a rien d'autre ici. Non, il y avait juste la petite clé à récupérer. Parfait. Nickel. Donc là, ici, parfait. Tac, tac. Là, par contre, comment on fait pour accéder à cette salle? Je sais pas du tout. Là, on a un TP ici. Là, on a une petite clé. Enfin, une porte à ouvrir avec la clé.
Visiblement, c'est la seule. Donc, on va se TP. En fait, on est à côté, mais dans le doute. Bon, ça, c'est pratique. Au moins, on peut se TP quand on veut. Et de n'importe où. Hop là. Donc là, on a statue de serpent, statue d'éléphant, statue de chat. Là, c'est chelou ça, attends, faut voir. Non. Ok. Parfait. Raisin potentio. Raisin potentio. Très bien. Ça. Il va nous manquer. What the fuck? Attends. Non. Ah ok, d'accord, ok, ça marche. Donc j'ai bien capté le principe. Ah d'accord. Par contre, j'ai pas vu le vide aussi hein. Il faut faut voir le vide frérot. Alors le truc, c'est que le souffleur, ça on est d'accord. Je peux pas l'emmener. Ah mais ça, c'est à que deux sens en fait. Donc attendez, si je mets un Lumisol déjà ici, là on est bon. Et au pire, en vrai, en soi, pourquoi je m'emmerde? Pourquoi je m'emmerde? Ah, vraiment, vraiment, je m'emmerde vraiment pour rien, quoi. Il repose ses ailes en haut d'une tour, son regard est perçant et son bec robuste. En haut d'une tour, bec robuste. Non, pas ça. Oui, mais du coup... Du coup, frérot... Là, on a deux trucs. Là, on a la salle du boss. Attendez, on va se re-TP ici. Par contre, les indices, je les ai pas vus. Hein. J'ai pas vu les indices. Hein. Ah, mais c'est vrai qu'aussi... Attendez, voir là. On est pas passé par là, on est d'accord? Ok. Excuse-moi mon ref, hein.
ensuite. Voilà. Ok. Ok. Parfait. Dix cristaux de sel. Voilà, reste tranquille. Ensuite, il se tient calmement dans le sanctuaire tout beau. Il possède de grandes défenses et un long nez. Un éléphant. Parce qu'après, là, je vois pas, hein, personnellement. Donc, du coup, on a dit... C'est un éléphant, là. Il se tient haut. Mais c'est pas... Je pense pas que ce soit ça. Non. Donc là, il manque. Il se tient au haut d'une tour. Ça peut pas être un chat. Mais non. Mais non, ça peut pas être un chat. Donc, éléphant, ok. Ça, c'est clair et précis. Mais là, il manque une statue encore. Ah, mais là, je peux pas passer ici. Là, on y a déjà été. Qu'est-ce qu'on aurait raté ici? Là, il y a une pièce. Carte de l'extérieur. Là, je vois pas ce que j'aurais raté. Ouais. Là, je vois pas ce que j'aurais raté. Parce que là, il y a ici. Carte de l'extérieur, carte de l'extérieur. Alors, attendez. J'ai peut-être raté un truc dehors. Ce qui m'étonnerait. Qui m'étonnerait grandement. Tac, j'ai pas le temps de me fight avec vous. Ah, ça m'étonnerait. Non, je pense pas que j'ai raté quelque chose ici. Je pense pas du tout. Tac. Parce que après en soi... Ouais, parce que c'est là d'où on vient. Ah, là-bas. Il y a quelque chose là-bas aussi. Ah, il y a quelque chose là. Ah, ouais, j'ai pas vu ça. Regardez. Dégage. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Ah ouais. Ouais, exact. Exact, exact. Et ici... Voilà. Foutez-moi la paix. Ok. Ça, j'avais pas vu.
Ça, j'avais pas vu. Ah ouais, exact. Exact, exact. Ah ouais. Exact, exact. Elle est... Voilà. Ah ben non. Quoi? Allez. 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 Voilà. Dis donc. Eh oui. Exact. Eh oui. C'est bien ce qui me semblait, le faucon. Exact. Ah ouais, non mais c'était... C'était clair. C'était clair que j'avais raté quelque chose. Donc c'est l'éléphant et le faucon. L'éléphant et le faucon. Hop. Voilà. Hop. Et du coup, on peut tout simplement... Merde, c'est où? C'est là. Se téléporter ici. Alors par contre, l'ordre exact, je sais pas. Donc dans le loot, on va mettre l'éléphant ici. Et le faucon là. Non. Voilà, c'était bien ça. Impec. Ouh, tire. Voilà. Bah oui, forcément maintenant ça s'est libéré. Ça s'est libéré aussi. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Impec. On peut passer par ici ou pas? Ah bah oui. D'accord. Donc... Allez. Ok. Et ça, du coup, c'est de l'autre côté. Là. Encore. Allez. Non. Allez. Ah. Comment on fait? Comment on fait? Ah merde. Allez. Là, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Allez. Pas en fait. Ouais, regardez, il y a un problème là. Là, il y a un problème. Ah, ok. Tout s'explique. Voilà.
Impec. Et la clé du boss. C'est parfait. Alors, ici, ça mène où? Bah, ça mène justement au boss. Hop, on va se TP ici. Alors, il y a un coffre qu'on aurait raté. Si j'ai bien... Ouais. Il y a un coffre qu'on a raté. Un coffre qu'on a raté. Est-ce que... Ah, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là qu'on a raté. Et comment on y va? Ouais, comment on y va sur ce... Non, on est d'accord, il n'y a rien ici. Comment on y va sur ce coffre? Alors là, je sais pas. Je sais pas du tout. Bref, c'est pas grave. Je trouve que c'est peut-être pour un rubis, donc on s'en fout. Toprifon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir te faire à toi? Toujours est-il... En attendant... C'est con ça. Allez, allez, je t'enchaîne mon gars. Ok. Ok, donc les statues vont m'aider. Les statues vont m'aider. Alors. Ah. Oh merde. Ah ouais, c'est une taupe qui vole. C'est une taupe qui vole. Ok. Oh, c'est con. Est-ce que t'avais cru que t'allais m'avoir en plus? Ok. La vache. Ouais, mais c'est pas mes petits souffleurs qui vont arrêter cette merde. Dégage. Bon, bah c'était easy. Incroyable. Et un petit réceptacle de cœur. Les amis, on tourne depuis 1h15. Vous aurez un grand épisode aujourd'hui. C'est nickel.
Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Aha, niveau 3. On dirait que je peux faire plus de choses qu'avant. Vous pouvez désormais créer des échos à distance. En maintenant Y enfoncé pour charger votre pouvoir, vous pouvez créer des échos à un endroit éloigné. Oh, c'est trop bien ça. 5 fragments de puissance. Nickel. J'ai pu parler à mes compagnons pendant qu'on refermait la faille. Eux aussi se sont fait capturer par ce monstre. Il ne leur était jamais rien arrivé de tel avant. Mais maintenant que tu as vaincu le monstre, ils ont pu se remettre au travail. Nous n'avons plus rien à faire dans ce monde de néant. Sortons d'ici, Zelda. Mais avant, bien sûr, je prends mon réceptacle de cœur. Nickel. Oui. Allons-y. Très bien. Zelda, toutes les failles du désert ont disparu, pas seulement celles du sanctuaire. Tu as enfin réussi, Zelda. Tout le monde de la cité attend ton retour. Allons-y ensemble. Alors, qu'est-ce que vous feriez sans Zelda? Nous fêtons la disparition des failles, c'est ma tournée. Tu dis ça et après tu vas encore venir pleurer pour que je te prête de l'argent. Et alors l'ombre d'une guerrière a surgi des ténèbres. C'est l'heure de l'entraînement, mais on dirait qu'elles ont tout oublié. Allons, c'est un jour de fête, les failles ont disparu, on peut se montrer indulgente aujourd'hui, non? Haha, tout le monde est de très bonne humeur. C'est vrai. Zelda, laisse-moi te remercier encore une fois. Sans toi, tout cela n'aurait pas été possible. Moi aussi, je te remercie du fond du cœur. C'est toi qui nous as poussé à agir, Zelda. Tona, à toi aussi, je te dois des remerciements. Ta conviction et ton amour du peuple Gerudo ont sauvé la cité. Mère, je suis fier de toi, et je crois même que tu seras une excellente chef. Quoi? Ah, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ça me rend très heureuse, mère. Zelda, j'imagine que tu vas te remettre en route pour aller refermer d'autres failles. Je prie pour ton succès. Merci bien, les Gerudo. Ton père n'était pas là, mais il reste encore une faille tout à l'est d'ici, dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Allons refermer cette autre faille. Très bien, les amis, on s'arrête ici du coup pour cet épisode de ce Let's Play qui aurait été très très long. 1h20, voilà, 1h20, c'est un très très long épisode qui, je pense, devrait vous faire plaisir. J'ai pris du kiff, les amis, je compte sur vous pour le partage commentaire, bien sûr. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour la suite de notre aventure. Bye tout le monde.